Eh bien salut tout le monde, c'est le Fugitif 411, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de Eden Zero, donc le chapitre 144, hein, qui en vrai était méga stylé, j'ai trouvé. Pour pas mal de raisons déjà, on a, on va dire, un petit peu un chapitre de transition, mais qui montre déjà des trucs plutôt intéressants. Déjà, on a le parallèle sur, bah, tout simplement, en gros, les vidéos par rapport à... justement à Rebecca qui tourne et tout. Vraiment, ils se baladent un petit peu de planète en planète pour essayer de récupérer des Mother Ether. Je crois que c'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Donc, du coup, j'avoue que c'est un peu surprenant où parfois les Mother Ether sont mis, parce que du coup, carrément, là, ça a été mis dans un immeuble entier. Donc, ils vont essayer d'aspirer la fameuse Mother Ether, une petite partie en tout cas. Mais je sais pas comment. Comment ça se passe justement pour aspirer tout ça? Pas du tout s'ils peuvent mettre ça sur un autre récipient ou... J'avoue que je suis un petit peu surpris de savoir comment... Enfin, je suis plutôt curieux, surtout plutôt curieux de savoir comment ça se passe par rapport à ça. Mais je trouve qu'il y a quand même un petit truc qui est passé, peut-être même inaperçu par rapport à certaines personnes. Mais c'est par rapport au cube de Rebecca, donc qui lui sert, je crois, je crois que c'est ce qui lui sert pour filmer et tout ça. D'ailleurs, on a même un petit cours de montage par rapport à la bicubeuse qui est à côté, donc qui lui sert de truc, où justement, il lui arrive des petites merdes où tu la vois qui filme et il y a de la pluie de boue. Et en gros, c'est juste après où il y a la plainte dinguerie, il y a de la boue qui parle, de la boue qui je sais plus trop quoi, c'est dans une planète un peu spéciale, où t'as l'autre qui lui dit, bah c'est ça que t'aurais dû filmer en fait, c'est là où t'as toutes les emmerdes, c'est là qui est le plus intéressant, c'est pas juste quand tu dois parler devant la caméra avec une pluie de boue, bah ça c'est clair que c'est un truc de fou, s'il lui arrive des dingueries de ces vidéos, c'est ça qu'il devrait parler. Mais c'est surtout ce qu'elle a fait sur son petit cube que j'ai trouvé super intéressant, c'est quand elle a réussi... Donc, alors je sais plus où est-ce que c'était... Oui, c'est quand ils sont arrivés sur la planète, la première planète de Red Cove, où, justement, en gros, elle trouvait que les événements qu'elle a fait, donc passer sur la plage et tout ça, qu'elle trouvait que c'était sa famille, en fait, qu'elle trouvait que c'était sa famille, et donc elle a fait graver sur ce truc, donc sur son cube, Eden Zero. Et je me suis rappelé, tout simplement, que dans le chapitre 2, donc si je dis pas de bêtises, à la fin... On a genre une ellipse, un flash forward, je crois que c'est comme ça que ça se dit, un flash forward, donc de 10 000 ans, où justement deux des androïdes futuristes trouvent le truc de, justement, de Rebecca, avec marqué un dessus, justement, bah, Eden Zero dessus. Donc je m'en suis rappelé, et j'ai fait, mais attends, mais... Est-ce qu'on est pas en train de nous placer des petits éléments par-ci par-là, par rapport au flash forward? Est-ce que plus tard dans le manga, est-ce qu'on va avoir un voyage dans le futur avec des événements qui pourraient se passer, étant donné que Rebecca est capable d'aller dans le passé, est-ce qu'elle serait plus tard, une fois qu'elle aura évolué dans ses pouvoirs, est-ce qu'elle justement, après c'est que mes théories, mais est-ce que je me dis, pourquoi pas, est-ce qu'elle serait pas capable justement d'aller dans le futur avec... c'est vrai qu'il y a des théories qui circulent comme quoi... le croque-mitant serait en fait une altération d'une Rebecca du futur qui en fait s'est transformée à cause de ses pouvoirs qui seraient incontrôlables, donc qui serait devenu justement le croque-mitant. En vrai, je trouverais ça super intéressant du coup par rapport à ça. Donc on a quand même ce petit truc de l'Eden Zero qui a été placé. On a aussi d'ailleurs des petits événements par rapport à Shura, qui en fait est une petite saloperie, donc qui extermine, je crois sur 6 ou 7 planètes, qui a exterminé toutes les machines d'une planète, donc déjà ils vont assez vite, hein, on va pas se le cacher, donc pour lui en fait il a fait ça exprès, hein, d'ailleurs il a exterminé toute une planète, enfin plutôt tout ce qu'il y avait dans les planètes, ils ont exterminé vraiment juste les machines. Les humains, ils s'en foutent. Pour lui, il se fait passer pour un bienfaiteur au niveau de son peuple, donc au niveau de son peuple, on va dire, du cosmos Aoi uniquement. Donc il fait une convention,
pas une... Non, un cuckilorum... Ah merde, je sais plus comment on dit ça, donc une petite vidéo où il se présente, je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolé. Donc, il parle à son peuple, comme quoi, voilà, je suis désolé les mecs, nous les humains, on a eu des problèmes, on a eu sur 5 ou 6 planètes, des machines qui qui se sont rébellées par rapport à les événements de Ziggy, qui, du coup... On va tous les exterminer, genre vraiment, on va leur faire la peau, quoi. On va exterminer toutes les machines du Cosmos Ahoy. Et du coup, bon, on apprend que c'était pas le cas, que c'était pas Ziggy qui a fait ça, parce que justement, il lui fallait, on va dire, un réceptacle ou un satellite pour justement envoyer le virus. Donc, du coup, franchement, il est plus malin qu'il en a l'air, parce que. Alors je sais plus exactement comment que ça se passe, enfin comment ça s'appelle le truc de la fin. Alors attendez, je vais les regarder juste avant. Donc voilà, j'ai revérifié au cas où. Mais en gros, en fait tout ça c'était pour attirer tout simplement Ziggy, on va dire, à attaquer une planète peut-être isolée, une planète ou alors le sanctuaire. En tout cas c'est comme ça qu'il s'appelle. Le sanctuaire donc qui a le pouvoir du All Link System, qui est donc capable de détruire toute machine dans l'univers, en tout cas dans le Cosmos Ahoy en entier, et il est capable donc d'exterminer toutes les machines, et étant donné que Ziggy c'est une machine, donc il va être obligé de passer à l'action pour déjà empêcher son meurtre, hein, tous ceux qui sont les androïdes même dans son vaisseau ou quoi que ce soit, forcément c'est pas du tout dans les plans de Ziggy, mais du coup certainement que dans les chapitres qui vont venir, on va avoir une confrontation entre Shura et Ziggy. Techniquement, je me dis que Ziggy, il a clairement toutes ses chances. Hein, parce que Shura, il a beau faire le malin, il est encore jeune. C'est quand même Ziggy qui a été son maître, qui lui a appris tous les pouvoirs, enfin techniquement en tout cas des pouvoirs de la gravité. Et on voit quand même que Ziggy est dans le côté obscur de la gravité. Donc, alors je sais pas si ça sera dans le prochain chapitre ou quoi, mais clairement, on va avoir une confrontation entre les deux. Et... on a aussi, Shiki qui, à la base, enfin, pas vraiment Shiki, mais son équipage se pose la question s'il faudrait pas quitter Cosmos Ahoy en attendant, parce que ils sont dans un cosmos où c'est quand même le bordel. Il y a des gros éléments de personnes qui sont assez énervées en termes de puissance, et pour l'instant, on va dire qu'ils sont peut-être pas au niveau de les affronter. Mais connaissant Shiki, et il sait maintenant que le Cosmos Ahoy est un peu dans la merde, que lui il veut défendre les machines, donc on se dit qu'il va passer à l'action. Alors on sait pas comment ni même quand, mais clairement qu'au bout d'un moment il va vouloir passer à l'action, et ça peut envoyer du lourd, hein. Je veux dire, il peut y avoir de la grosse boisson. Imaginez que Ziggy, l'équipage de Ziggy, plus l'équipage de Shiki se retrouve sur la planète, avec justement cette planète qui a le potentiel justement d'exterminer toute machine sur l'univers du Cosmos Ahoy. Franchement, ça peut donner des grosses bastons, hein. Il peut y avoir des grosses bastons. En tout cas, franchement, le chapitre j'ai trouvé très intéressant. Ça annonce du très très lourd pour la suite. Franchement, j'avoue que, bordel, il y a quand même beaucoup d'exterminateurs. Alors même si ce sont des machines, même si voilà, dans l'univers, on peut se dire que voilà, c'est que des machines, ils n'ont pas de cœur, du coup c'est pas totalement le cas, mais il y a beaucoup de morts, hein, on va pas se le cacher. Hein. Donc franchement, j'ai hâte de voir la suite, personnellement j'aime beaucoup ce qui se passe. Je sais pas si vous avez kiffé ou quoi en attendant, mais n'hésitez surtout pas en tout cas à m'en parler dans les commentaires. Moi j'adore regarder les commentaires pour savoir même vos théories en tout cas. Mais ouais, là il va y avoir de la grosse baston, parce que bon, l'univers de... On va certainement voir même comment il appelle ça déjà, les 4 démons, là, je sais plus quoi, de son... Enfin, voir son équipage se battre ou quoi, même si on a... D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas... On voit pas, du coup, l'humain qui était avec lui, là, donc c'était le commandant, là, je sais plus exactement comment il s'appelait. J'ai l'impression qu'il a plus l'air d'être dans son vaisseau, je sais pas trop comment ça se passe ou quoi. Mais bon, en tout cas, voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu. Du coup, nous, on se retrouvera la semaine prochaine, j'espère, hein, pour la suite de Eden Zero. Hein, franchement, en ce moment, c'est un truc de fou. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce petit chapitre. On se retrouvera pour la suite de Eden Zero. Donc d'ici là, je vous dis donc forcément, portez-vous bien et à la prochaine.